Tu pries le ciel pour qu'il t'apporte de plus beaux jours. Tu mets ton espoir dans les gens qui t'entourent. Tu vis à la recherche d'un confort, tout faire pour améliorer ton sort. En quête de paix, tu t'y perds. Le soir, tu mets Dieu dans tes prières. S'occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Tout ce qu'il y a autour de toi vient d'un seul auteur qui t'a créé. Seulement ton bonheur. Ne vois-tu pas qu'il agit pour toi, qu'il veut te montrer qu'il est bien là, mais c'est à toi de le reconnaître. Mets-le en premier dans tes choix, laisse-le diriger tes combats, être la source de ton bonheur. Admets que tu as un créateur. Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Mais qu'attends-tu de lui? Il a déjà tout fait pour toi. Maintenant, c'est ton choix. Mais ne passe pas à côté de ta vie. Ne passe pas à côté de ta vie. Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Allez, regarde autour.